Coucou tout le monde, c'est lundi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode, j'imagine et j'espère, de La Légende de Zelda, le réveil de Link. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas Zelda dans le jeu. Ah, oui, c'est vrai que je peux lui renvoyer dans sa gueule. Mon chat là, mon porc. Un petit peu le son. Bon, que dire de ce jeu? C'est un Zelda. T'aimes pas les Zelda comme moi, ben tu veux faire. Ouais, ok, d'accord, bon. Des énigmes un peu tordues quand même, faut le dire. Mais graphiquement, le jeu il est nickel et tout, c'est la force de Nintendo. Yeah! You the false look. Salias, beaucoup trop. Mais bon, c'est bon, on a compris, on va pas faire toute la chanson non plus. Attention, des PNJ qui flottent dans le ciel. Je fais très mal le thème de Smash Bros, mais ça va. Mais ça va. Si tu veux poursuivre le jeu, faut entrer dans l'œuf. C'est littéralement ce qu'il me dit, hein, mais toi t'es vraiment un connard. Ah, en fait, le problème. Désolé. Œuf sacré. C'est une blague? Ok. Quoi? Bienvenue dans la grotte revêche. Pour trouver Giratina, il te faudra avancer dans un labyrinthe qui n'a aucun sens. Ah. Il y a forcément un indice. Oh non! Oh non, vous êtes cruels, messieurs. Bon, nous avons une boucle infinie. Si je vais à gauche, ça me mène au même endroit. Ok. Si je vais à droite, ça me mène au même endroit. Et si je vais en haut. Ça m'amène au même endroit, donc vous vous foutez de moi. Ah, il faut aller tout droit. De toute façon, je ne peux aller que tout droit, monsieur.
C'est exactement la même chose. Ah, c'est con, hein, on va devoir utiliser une soluce. Oui, en effet, je n'ai absolument plus l'envie. Ah, dans l'œuf, on tourne. Ok, d'accord, bon. Il fallait lire un livre à la bibliothèque, chose que je n'ai pas fait, donc. Il faut tourner deux fois à gauche, voilà, parce que, bon, mais effectivement, c'est un jeu de merde. Ensuite, il faut tourner en haut, voilà. On va pas se faire chier, hein. C'est une énigme à la con, il faut retenir des lettres, hein, que j'aurais écrit sur un bout de papier. Ensuite, il faut aller en haut. Il faut aller à gauche, deux fois. Et ensuite, il faut aller en haut. Et je me suis foiré. Les notes sont aléatoires, t'es pas sérieux? Putain, niquez vos mères, putain. Mais ce jeu, mais il veut me tuer. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Putain. Mais dépêche-toi, putain. Putain, Ocarina of Time, c'est rapide. Allez, on va se faire chier, mesdames et messieurs. Allez. On va aller dans cette foutue bibliothèque lire ce putain de papier. C'est vraiment qu'il voulait pas que tu le finisses, hein. Quoi, qu'est-ce que t'as à toi? Ah ouais, ouais. Alors. Ok, alors. Ah eh mais c'est pas le même que putain, c'est pas moi. Oh là là. C'est vraiment un jeu de fils de pute, hein. Alors, prenons un bout de papier. Non, tu sais quoi, on va prendre mon téléphone, ça ira plus vite, je me fais pas chier comme ça. Allez. Appareil photo. On va enlever le flash. On va foutre de travers, on va prendre en gros et là, paf! Voilà, ça fait des chocs à pic. C'est bon. Voilà ce qui est énigmatique. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Des couleurs, mais c'est quoi ces conneries? Il y a combien de trucs? C'est pas possible, hein? Il faut pas péter ça non plus. Non, ça va. Putain, en plus, ils ont fait exprès de les foutre aléatoirement histoire de... que ce soit pas la bonne version. Putain! Oh, les enculés, quoi. Bon. On va essayer de finir sans soluce. À partir de maintenant, bien sûr.
Allez! Alors, moi, c'est... Dans ma version, il s'agit de gauche, haut, droite, droite, deux fois haut. Droite et haut. Waouh, merci. Je prépare le piédestal des couleurs. Nous avons été engendrés par les cauchemars. Et je ne parlerai pas plus, parce que je m'en fous. Toi, le poisson. Et passer au travers. Non, j'ai l'impression que ça marche. C'est pas comme ça qu'on le tue. Ah, attends. Oh putain! Attends. Putain, j'aurais enregistré mes deux doigts, mais je suis très con. 3. Oh! Mais c'est quoi ça? C'est une énigme que j'ai pas faite, que j'ai résolue sans le savoir ou... C'est plus comme ça qu'on va. Alors lui, vu qu'il est sous la terre, je me demande s'il faut pas tuer de là. Attends, lui, c'est la baguette magique.
Bah là j'ai essayé tous mes objets alors Ça passe au travers. Là, par contre, tu me commences à me casser les couilles. Parce que c'est fou, faut utiliser cette ça. Mon épée ne fonctionne pas. Mon bouclier, on voit pas les coups. Voilà, mon gars, tu veux que je te fasse quoi là? Solis, hein? Parce que bon. Là, j'ai tout essayé, donc si ça marche pas, nique sa mère, hein. Alors, est-ce que t'es en train de te foutre de moi? Je l'ai fait tout à l'heure. Tu niques ta mère de 1, jeu de merde. Okay. Bouffe mes couilles. C'est une blague ou quoi? Mais oh ce fils de pute quoi! Je revis. Mais non! Oh, mais sale fils de pute! Eh non, parce que j'ai mon baume magique. Ah là, c'est un. Bah. Attends. Son tir est passé au travers. Hein. Jusqu'au bout. Ça les a... Oh mais vas-y. Mais non! Oh mais va te faire enculer, Link, va te faire enculer.
ta famille. Ah mais en fait il reprend l'apparence de trucs que j'ai déjà affronté, mais j'ai jamais affronté de trucs qui crachent des boules de merde. Hein. J'ai pas affronté ce boss, hein, donc monsieur Camille. Je ne comprends pas. Solus? Troisième forme, je l'ai affronté. Quatrième forme, cette quatrième ça aura une sorte d'ombre de Ganon. Il aura des ennemis sur vous. Esquivez-les, puis esquivez la lame qu'il vous enverra pour éviter doucement pour se rapprocher. Chargez votre épée. Effectuez un saut, puis frappez. Quoi? Attends, charger et sauter, on peut faire ça en même temps? Non mais merci de me l'avoir introduit dans le jeu, bande de fils de pute. Putain. Je peux pas sauter et charger en même temps, fils de pute. Qu'est-ce qu'ils disent sur jeuxvideo.com et re-ismail? Est-ce qu'ils lisent leurs conneries? Ok, c'est ça, il faut juste charger, pas sauter. Mais putain, mais. Oh, mais JVC quoi. De pire en pire. Hein. Franchement. Y'a personne qui a relu leur merde en se disant. Bah non, c'est pas comme ça. Et c'est pas la première fois. Hein. Allez, c'est un dernier coup, c'est tout. Je suis vraiment un putain d'idiot. Encore une autre forme, mais c'est pas possible, faut se calmer, monsieur. Allez, là, c'est la forme caca maintenant. Allez, fils de pute. Putain. Oh, j'ai plus de vie, je m'en fous, je vais pas me faire chier. Qu'est-ce que c'est la quatrième forme? Sortez votre bâton de feu et frappez-lui la tête. Putain, maintenant il faut deviner. Hein. Ah, ce fameux bâton de feu qu'on n'a jamais utilisé. Putain, faites des boutons, faites des manettes plus petites les mecs. Hein. Ça c'est mon kiff de jouer avec des manettes de merde. Mais ça va, je vais taper 15 fois ou quoi là? Allez, maintenant forme pomme de terre. Bon ouais, j'imagine que ce sera le dernier truc que j'ai pas fait. Oh, putain, alors là il s'est transformé en l'espèce de merde de super protector. Mais par contre j'ai plus de vie donc tu veux niquer ta mère, je m'en fous, je refais pas le boss.
La musique s'arrête. Slash boomerang. Il y a un boomerang dans le jeu, ben, je l'ai même pas trouvé. Donc merci de me le dire. Ah, peut-être que c'est un truc qu'on devait. Non, je vais crever. Je te préviens, fils de pute. Oh, fils de pute! Ta mère pour moi, espèce de merde. Non, mais non, on va sortir parce qu'il faut que je me refasse de la vie, fils de pute, putain. Oh. Ah, c'est vous qui avez une fée là, une pute là. Putain, pute de merde. Fées, elles sont pas indiquées les fées sur cette merde de map? C'est quoi ça? Pharmacie, on s'en fout. Montrez-moi les trucs des fées, merde. Putain. Putain, voilà, là, il y a une fée, là. J'en ai marre. Putain. Allez, connasse, viens me donner ton truc, là. La prochaine fois, les mecs, mettez 15 formes. Ça sera encore mieux, tu vois. À utiliser avec plein de merde. Un coup c'est 28, un coup c'est 42. Faut décider, madame. Dégage. Fous-moi le camp. Regardez-moi cette pute. Yeah! Non, 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 non. Non, je suis pas venu voir une fée pour qu'il y ait que dalle. Putain, salope. Il y en avait une dans un putain de trou quelque part. Oh non, vas-y, tu me casses les couilles, putain. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime pas ces jeux de merde. Allez, va chier, va chier. Va chier. Putain, c'était si compliqué de foutre un téléporteur à l'œuf. Oh, ou mettre de la vie, merde. Putain, mais pourquoi je suis obligé de perdre 3 cœurs à chaque fois, là? C'est-à-dire, c'est bon, j'ai perdu. Remoins mes cœurs, moi. Putain, c'est quoi ça, ce faux malus de merde, là, qui t'oblige à farmer encore et encore et encore? Putain. Oh, on n'est pas dans Bloodborne, là. Putain! Oh non! Oh vas-y, à chier! Oh mais qui c'est qui a inventé ce système de merde, putain? Il est alcoolique ou quoi? Putain! Oh là là! Je vais pas faire ça à chaque fois que je meurs, hein! Putain! Oh ça me casse les couilles! Allez! Putain! Et Link qui va à 2 à l'heure, putain ça m'énerve! Oh putain! Oh, ce jeu de merde. Oh, bah, oh la direction. Oh putain, mais qui c'est qui a codé cette merde? Oh putain, j'en peux plus. Mais ferme ta gueule. Bon, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus. C'était de la poudre dans sa gueule. Allez, je vais te poudrer le nez, fils de pute. Dans la cinématique, on l'a déjà vu, ta gueule. Ferme ta... Chut, chut, chut. Allez, et puis je veux dire, c'est quoi ça? C'est un fantôme, quoi. Merde. Putain, c'est le pire. C'est le boss le moins inspiré du monde, quoi. C'est un Fantominus en moins bien. Mais tu fais pas peur, t'es juste une boule de merde. Oh putain. Ouais. Putain, tu m'as déjà fait perdre un cœur de putain de merde. Oh non, je vais m'énerver.
Ah, je te jure, je vais péter la manette, mais si je la pète, ça va me faire chier, j'en ai plus. Ah oui, parce que j'ai bien... J'ai bien sûr pété une paire de Joy-Con hein, avec ce boss de con là. Alors c'était quoi l'autre je m'en peux même plus. Hein, bon, bah, avec ça. Hein. Ah oui, c'était ça. Link, la diagonale dans ton cul. Mais il se fout de moi ou quoi ce fils de pute? Oh non, fils de pute. Oh non, 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 franchement là. Oh, j'en ai plein le cul. Ouais, ça va, ça t'a touché! Oh, mais putain! Mais c'est une blague ou quoi? Mais je vais te faire bouffer ta mère. Hein. Ta mère la reine des putes. Oh mais j'ai paniqué. Ah de spammer ta merde d'attaque de con là. Voilà l'intérêt d'une fée. En plus, il n'y a aucun moyen de différencier les deux en fait. Mais elle est partie de travers là. Ça va, putain, mais c'est pas possible. La diagonale. Ta mère la pute, il m'a sauté dessus. Il reste là. Allez. Il me reste que 5 flèches. Oh putain, nique ta mère. Ok, bon, est-ce que ça marche si je fais ça? Oui, ça marche. Le baume à lèvres.
Mais putain, mais nique ta mère! Bon, vas-y, tu te le prends à chaque fois, oh, merci! Oh, mais nique ta mère, la pute de con de merde! Putain. Oh là. À chier ce jeu. À chier. Cette fin. Ah, ça m'a foutu mal à la tête. Connerie de merde. Allez, encore une nouvelle phase. Ils quoi là? Ils ont foutu dans l'espace. Eh, hey, tais-toi. Je n'ai que faire de ta merde d'histoire de con. Ok, vous êtes vraiment drogué, en fait. Oh, que c'est triste, hein. Tout disparaît. Oh là là. Elle est pas si grande, hein, en fait. Voilà Link, maintenant, noie-toi. Ok, je vais pas avoir d'os. Ouais, bon, d'accord. Hein. Et il s'est rien passé. Moins d'animation sur Link. Ah, on a dit moins. Squadala. Vas-y, c'est bon. Que c'est parfait. Et que c'est mal animé surtout. Ça n'en finit pas, mais c'est bon, tais-toi, arrête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, sur ce, c'est officiellement le deuxième Zelda que j'arrive à finir de ma vie. Et je n'ai jamais réussi à battre Ganon dans Ocarina of Time, donc qu'est-ce que vous voulez? Oh putain, bon. Vous reverrez pas de Zelda de sitôt, hein, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que le jeu est bien? Ouais. Les énigmes sont un peu tordues quand même, faut le dire. Ah. On est loin de la Breath of the Wild quand même, hein, tu vois, genre...
Même là, en fait, les anciens en 2D vus de dessus, franchement, ça passe pas du tout. Bon, est-ce que je peux gérer cette cinématique? Ou est-ce que à la fin, Link rejoint les Avengers? Ou je sais pas, moi. Bon, après, le jeu est vraiment très beau. Il n'y a pas de souci avec ça. Si la liaison un peu moins et qu'il est un peu plus fin, ça aurait été agréable, on va dire. Surtout avec un jeu. Avec. Comment on pourrait dire? Une putain, merde. Je sais plus comment on dit. Bon, il y a une esthétique comme ça là. Un peu pâte à modeler, on va dire. Jouer pâte à modeler, je sais pas trop comment on peut dire. Ouais. Petit coup de boost sur la Switch, ça ferait pas de mal. Hein. Enfin, quand je dis un coup de boost, faites une vraie nouvelle console. On n'est pas à saigner des yeux par moment, parce que je veux dire. La technique du flou, c'est pas là pour faire joli. Hein. C'est là pour économiser des ressources. Donc, parce que, voilà, après, dans les donjons, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment clairement qu'il n'y avait pas assez de ressources pour tout afficher. Donc, voilà. Est-ce que je vais être à 1080p peut-être? Je sais pas. Je pourrais pas dire. Fin! Oh, bah, c'est magnifique. Oui, bah, les sauvegardes. Œuf sacré. Et voilà, c'était la fin de Link's Awakening. On se retrouve à plus dans le Super Bus.